On est aujourd'hui, nous, en présentiel à Nérac, en fait, sur le territoire du GAL de l'Albret. Et le président du GAL, M. Alain Lorenzelli, nous a fait le plaisir de venir nous accueillir ce matin. Et nous sommes aussi au lycée agricole Armand Falière de Nérac. Donc, le directeur Stéphane Courtois va nous dire aussi un petit mot. Messieurs, dames, en présentiel et en distanciel, je vous souhaite tous la bienvenue pour cette Assemblée générale du réseau rural dans ce lycée agricole qui porte bien son nom, puisqu'Armand Falière est un président de la République et un président de notre territoire. En tant que président d'Albret Communauté et président du GAL, on a une petite particularité, puisque nous sommes un GAL qui sommes une communauté de communes. Dû à la fusion en 2017, puisque c'était trois communautés de communes, et le GAL était géré par un syndicat mixte. Et donc aujourd'hui, c'est une communauté de communes de 28 000 habitants qui est gérée, et le GAL est géré par la communauté de communes. C'est un plaisir de vous accueillir ici, en Albret, un territoire qui connaît bien les zones rurales, puisque nous sommes un territoire leader, un GAL, depuis 1991, depuis la première édition, ce qui fait que nous sommes un territoire qui a l'expérience sur ce domaine et qui a travaillé depuis de longues, longues années sur le développement rural aidé par l'Europe sur divers projets, des projets de développement touristique, d'agrotourisme, sur beaucoup de projets sur l'intergénérationnel, sur des aides sociales au niveau des personnes âgées, puisque nous avons développé quelque chose qui est assez unique en France, un centre de loisirs pour personnes âgées avec l'association Gironde Aquitaine. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir ici, de pouvoir travailler avec l'Europe, puisque je le dis souvent, et dans un article il y a quelques années, tout le monde critique l'Europe, tout le monde critique le calibrage de la carotte. On oublie simplement que sur nos territoires ruraux, grand nombre d'argent est versé par l'Europe. Je remercie la région qui, depuis la dernière programmation, est maintenant un organisme gestionnaire qui nous soutient et qui nous aide à nous développer là-dessus. Donc, l'Europe, c'est de l'argent qui est diffusé sur les territoires. Ce n'est pas parce qu'on est petit en taille qu'on n'est pas capable de faire des choses. Au contraire, nous avons pu développer et mettre en œuvre beaucoup de choses. Et donc, c'est important de pouvoir aujourd'hui travailler ensemble avec le réseau rural et pouvoir mettre à développer sur nos territoires un certain nombre de choses. J'espère que dans la prochaine programmation, l'équité des territoires se fasse sans que les petits territoires se retrouvent un peu déshabillés pour des territoires un peu plus gros, puisque nous démontrons, nous aujourd'hui, dans notre GAL, que nous sommes à peu près à 90% de réalisation des projets et pas loin de 60% des financements payés et en cours de paiement, les deux qui sont en cours à venir, on devrait être aux alentours de 90%. Donc, ce qui veut dire que on est un territoire dynamique, un territoire qui est capable de faire des projets et d'avancer et permettre dans la ruralité. Je pense que la situation d'aujourd'hui, depuis un an et demi, avec le Covid, la ruralité a toute son importance dans le développement de notre pays. Je vous remercie tous et je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne assemblée générale. Merci. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir d'être sur ce territoire. C'est vrai que le GAL de l'Albret est un territoire leader très dynamique et on en verra un exemple cet après-midi pour ceux qui restent avec nous. Monsieur Courtois, je vous laisse le micro. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, c'est vrai que le mix est intéressant. Je voulais vous souhaiter la bienvenue donc, du coup, au lycée agricole Armand Falière à Nérac, au sein d'un établissement agricole, donc sous tutelle du ministère de l'Agriculture, et dans des bâtiments qui appartiennent au conseil régional. Ici à Nérac, donc on est 270 élèves, on est sur des filières bac technologique pour des jeunes qui se destinent justement sur des métiers du vivant autour de l'agriculture, globalement on va dire l'environnement. On est sur des formations autour du cheval et des formations autour de l'aménagement paysager.
et plus globalement au niveau des lycées agricoles et du ministère de l'Agriculture. Donc, l'enseignement agricole, on a 5 missions, et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui qu'on vous accueille. Donc, on a une mission de formation et d'insertion sociale, je dirais, des citoyens de demain, et comme l'a dit le président, l'Europe aujourd'hui, la construction de l'Europe, c'est important que nos jeunes aussi en soient conscients. Ça, c'est les mêmes missions qu'à l'éducation nationale. Et ensuite, on a 3 autres missions sur lesquelles on se rejoint. Une mission d'innovation, qui est un point important. Une mission d'animation du territoire, sur lesquelles aussi on a des projets à construire ensemble. Et une mission de coopération internationale. Donc, ce qui fait qu'on a plein de choses à construire ensemble. Il y a plein d'établissements aujourd'hui où il y a des actions communes qui sont portées. Et partout en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, vous pouvez contacter les collègues des lycées agricoles. Si vous avez des projets pour associer les jeunes autour du territoire, c'est avec plaisir qu'on se joindra. Voilà, c'était juste. Merci beaucoup en tout cas et très bonne Assemblée générale.